Shwadam, Winjar Alajars, Hatakar, Guarbeti Pacharsh, Harsh, Sibalti Yiguarsh, Ma, Ul Udams, Winja, Waita Waika, Awaita Salwa, Takar, Palhur, Winja Laja Daus. Hey, salut à tous, c'est Uzo, on se retrouve pour le cinquième épisode sur Far Cry Primal. Avec, je vous ai mis une petite rétrospective de ce qui s'est passé tout au long de l'aventure. Si vous venez d'arriver sur la vidéo et que vous savez pas où on est. Et c'est parti, on va faire la petite quête de notre chéri d'amour. C'est parti, on va aider notre chasseur qui je pense a dû se perdre. Bon, par contre tu m'as pas mis ma quête. Quête ajoutée au menu carte. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais je ne vois pas ta putain de quête. Bon bah écoutez hein, je vois pas sa quête. Ah, Lissi elle est là. Mais on va faire comme on a dit, on va aller au bûcher du vieil pêtre. Et Jaima la chasseresse. Et on va aller ouais, chercher, tiens, c'est Jaima. Ça a l'air pas mal. Et après, on va voir ce qu'on peut craft pour nous-mêmes. On va voir si je peux déjà me téléporter un peu plus rapidement. Ouais, on va aller là-bas directement. Ça va nous permettre d'éviter de marcher inutilement. Oh merde, il se passe quelque chose là. Voilà, on a aidé nos amis. Hop, on récupère ce qu'il y a à récupérer. Et on se casse. Ouh là. Donc on a récupéré une peau de bête, des flèches en bois et deux personnes pour nous aider dans notre village. Attends. Est-ce qu'ils ont vu un ennemi là? Effectivement, il y a un ennemi, mais bon, je vais pas chercher la bataille. Hop, on va aller directement là-bas. On a plus que 500 pieds à faire. Ah, il me faut du dol. Et il y en a un là. Oh là. Alors? La cale assure le sang. Ouais, toi t'as bugué. Toi t'as bugué. Du coup, je te bute. Et normalement, je peux confectionner quelque chose de bien plus. Non, il me faut encore du dol. Merci, mon bavre. On a retrouvé notre petit loup. Bon, s'en fout. On va continuer notre quête, faut aller débloquer. On va débloquer la zone avec le bûcher. Qu'est-ce qu'il y a là? Pauvre bête. Pot de dol, récupéré. Il en manque plus qu'une, je pense. Et on pourra confectionner la meilleure. Un meilleur sac à appât. Donc, les sacs à appât, ouais, je vous rappelle, dans les anciennes vidéos, on peut donc domestiquer, si on peut dire, les animaux. Juste après avoir débloqué ça, je vais essayer d'en domestiquer un nouveau. Normalement, j'ai avec ma compétence débloqué le pouvoir de d'apprivoiser des félins. Donc j'essaie d'avoir un jaguar ou un léopard, ça pourrait être sympa. Trouver plus de bois, non, ça m'intéresse pas. Bon, y a vraiment pas grand chose à améliorer. Ah, j'ai un feu de camp. Il y a un petit feu de camp ici. Ok. Je vais allumer ça. Voilà. C'est tranquille, on peut. On allume ça tranquille.
J'ai l'impression de recevoir des flèches. Ou c'est moi. Bon, ils se font la petite guerre en bas. Je vais pas chercher la bataille. Nous, on va directement monter. Putain, il y a des ennemis partout dans la forêt. On avance. Notre but, il faut pas dévier de notre, il faut pas dévier, tout simplement. Quelque chose, c'est un ennemi, je crois. Il s'agit d'un loup. Bon bah, je crois que ça va être le. Mais j'ai déjà un loup, j'ai pas envie d'imprimer encore un loup, tu vois. Qu'est-ce qu'il me veut, toi? Je crois que je t'ai pas vu. Ah, satané de bête. T'attaques vraiment quand ils voient que tu t'as le dos tourné, ils essaient de te chasser, quoi. Bah tiens, en attendant notre petite balade, en marchant un peu, je sais pas si vous avez entendu, là en ce moment, la rumeur, enfin même la rumeur, je pense qu'elle a été prouvée, je pense, depuis, sur les maps. Vous savez... on nous parle beaucoup que la map de Primal a été repompée de la map de Far Cry 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le-moi en commentaire, ça pourrait être sympa d'en discuter. Pour moi, perso, ça change rien en fait. Franchement, je vois pas la différence. C'est un jeu complètement différent, c'est un univers différent. Ils peuvent choisir après de garder le même système de map. Mais elle est complètement différente de celle du 4. Enfin, personnellement... j'ai vu une grosse différence. On va y aller au gourdin. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es caché. Boum. Ouh là. Oh, j'ai vu là le crâne s'écraser dans ma masse. Bûcher de vieille pierre revendiqué. Yes. Donc du coup, on va aller chercher la chasseresse. Peut être intéressante. Fouille un petit peu ces gorilles là. Moi je vais les appeler les gorilles, pourquoi? Franchement, ils ont rien dans le cerveau. Enfin, pour l'instant, ils ont rien dans le cerveau. Je dis rien, pourquoi? Dans Far Cry 4, j'étais très surpris que les ennemis se développent au fil de l'aventure et qu'ils deviennent quasiment des fois impossibles à buter. Donc là, il y a des trucs à chercher. Ça m'intéresse pas. Nous, on doit repartir par là. Je vais nourrir mon petit loup. Qui est assez gourmand, je pense, je trouve aussi. Allez hop, bouffe un peu de viande, comme ça tu vas pas crever pour rien. Tu vas pas crever. Donc je disais, on va aller chercher la chasseresse. Excusez-moi, j'ai eu, oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai bien eu une micro coupure. Allez hop, c'est reparti. On va passer par là-haut. Pourquoi? Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, il y a un petit chemin qui nous amène à la chasseresse. Et après un avant-poste, tiens, on va après essayer de se faire l'avant-poste. Franchement, ça pourrait être sympa de le faire, difficulté facile et tout ça. Donc on passera à côté, et même à côté il y a des jaguars, tiens, on va essayer d'adopter un petit jaguar. Enfin, on va essayer. Normalement, tout est faisable. Oula, lui il s'attaque tout seul à eux. Oh, tire en pleine tête. Ah putain, on fait une bonne équipe. Hop, un nouveau Wenja pour la populace. Oh putain, moi je parlais de jaguar là. Oh là 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 là, ça. Oh putain. Je voulais pas le tuer, pauvre bête. Je voulais l'adopter. Et comment j'ai raté, putain. Ah, j'ai plus de bois dur. Il faut que j'en... Bah, pile poil, quand je parle, j'ai plus de bois dur. Il y en a un devant moi. Ouais, en fait, franchement, la capacité de l'autre meuf, ça peut être intéressant. Ouais, toujours bon à prendre. Est-ce que je peux confectionner autre chose? Donc, il me faut de l'héros dessus, du cèdre du nord... La peau de Dol. Bon, rien de particulier, quoi. Oh, oh. Moi, j'entends franchement. Il y a un truc qui est mort par là.
Voilà. On va essayer de l'apprivoiser. On va essayer d'apprivoiser le jaguar. Va-t-on réussir? Va-t-on réussir? Allez. Allez, une petite bête. GG, on a réussi à apprivoiser le jaguar. Ah bah putain. C'est parfait. Moi, je préfère les jaguars que le... que les loups, hein. Donc là, on peut choisir donc d'appeler celui-là. Et nous, on a eu un... Putain, je voulais juste savoir quel jaguar j'ai eu. J'ai eu un jaguar noir. Ah, direct, moi, j'ai eu le rare, quoi. C'est de la chance, on a eu que de la chance. Au début du jeu, on tue un dol rare avec sa peau qui va peut-être servir pour la suite de l'aventure. Et j'arrive à avoir du coup le jaguar noir aussi. Donc putain, je me fais plaisir. Oh putain, nos alliés se font. Vas-y. Hop là. Efficace. On va aller en détache. Hop. Comme ça, il va directement à notre base. Et là, on va retrouver notre petite... notre chasseresse qui est par ici. Alors, je vérifie quand même qu'il n'y a pas de... Il me faudrait du bois, en fait. Clairement, il me faudrait du bois. Hop là. On n'a plus de place dans votre sac pour faire quoi que ce soit. Ok. Écoute, on va lui prouver qu'on sait. Avec nos petits jaguars, on va essayer d'avoir l'ours. Ouais, faut suivre les pistes en piste tranquillement. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas le chasseur le moins bruyant du monde, hein. On court comme une petite femmelette là, comme un vieux débutant. Là-bas, il y a des cadavres. Je pense que l'ours a dû passer par ici. Ah oui, l'ours il a défoncé les ruches. Ah oui, d'accord, même quand on attaque les abeilles, elles nous attaquent. Oh, fait chier. C'est sympa ça. Ouh, là-bas il y a encore un truc. Tiens, petite feuille verte, ça sert toujours. Ouais, c'est du miel. Hop. On récupère vraiment tout ce qu'on peut. Cet ours. Ah, il a mangé quelqu'un. Bon, il est passé du miel à autre chose. Dû attaquer une bête qui est blessée. En tout cas, le jaguar, il nous aide pas trop à pister pour l'instant.
On est là-bas, il y a du sang, on va suivre ça. J'adore les choses de chasse. Bon, ça reste un peu long, hein. C'est vrai que pour les gens qui sont pas très qui aiment pas trop attendre, ça peut être chiant. Mais franchement, chasser c'est bien. Enfin, dans un jeu, hein, dans la vraie vie, c'est ça, je trouve ça dégueulasse. Mais bon. Alors, on est dans un jeu vidéo, on peut voilà, on peut quand même se faire plaisir. Ouais, c'est pas ouais, bon, tiens, en parlant de ça, ça me fait penser aux gens qui critiquent les jeux vidéo qui sont violents et tout ça. Mais vaut mieux être violent dans un jeu vidéo qu'autre part, quoi. C'est le mec qui a perdu ses bras, ça, non? Oh, l'ours il a ravagé plein de trucs là. Ah, l'ours il est pas content. Donc je disais, ouais, c'est mieux d'avoir de la violence dans un jeu vidéo qu'autre part, quoi. Franchement, voilà, faut pas dire que les jeux vidéo rendent violents. Il y avait des guerres bien avant que les jeux vidéo. Ou pareil pour les gens qui parlent de. Je fais attention aux faucons dans Far Cry 4, c'était ce qui m'avait tué. C'est, je crois, un des ennemis les plus meurtriers pour moi. Alors, où est-ce qu'il peut être? Putain, il y a encore du sang là-bas. Non, mais il y a plein d'exemples types de gens qui sont révoltés de voir ça dans un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, c'est l'imagination du créateur, et c'est tout simplement, après, enfin, je vois pas. Franchement, quand je vois qu'en Australie, ils censurent tellement de jeux que bah, le jeu en devient bah, pourri, quoi, et perd son intérêt, je trouve ça dommage. J'espère que ça arrivera jamais en France, mais bon, vu les lois qui sont votées en ce moment, ouais, bon, ne parlons pas de politique, continuons notre chasse. En même temps, je profite pour remplir mon sac... de ça. C'est vrai que ah, donc l'ours doit être par ici. Ouh, oh putain, le jaguar, comment il le défonce. Oh, le jaguar il l'a défoncé. Oh là là. Oh putain, c'est impressionnant comment il l'a buté, quoi. Trouver les chasseresses. Ouais. Trouver quoi? Crotte de Azari, statue inexplorée. Ouais. Ouais, 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 ouais. Putain, il commence à faire nuit. Vraiment que je finisse cette quête assez rapidement. Jaima, la sécheresse, elle rejoint votre village. Bah, c'est cool! Wow, c'est quoi cette merde? Je te soigne. On va repartir à sa chasse. Allez, on chasse. Il a voulu nous attaquer, écoute. Il va avoir ce qu'il mérite. Oh. Plus dangereux que l'ours. Dents de sabre. Ah, je me disais, c'est pas un puma ou une connerie du genre. C'est vraiment agressif, ces conneries là. Donc là, il y a un avant-poste à côté. Je vais peut-être essayer de l'attaquer de nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de l'attaquer de nuit directement. On perd rien du tout. Par contre, je vais utiliser mon cher hibou pour scanner la zone. Bon,
C'est pas très rapide, hein. Bon, on arrive au niveau de l'avant-poste. Donc avant-poste, hein, c'est pas nouveau, hein, ça existe dans tous les Far Cry. Mais je veux bien voir comment ça... Bon, on est juste à côté, autant le faire. On est trop loin de vous, d'accord. Donc ouais, faut vraiment se rapprocher. On va se rapprocher, on va se mettre sur l'île déjà. Oh putain, je le sens mal. Connerie, hein. Connasse. Ah, c'est bâtard. C'est bâtard, ça, c'est bâtard. Ouais, on va essayer de passer... on va pas essayer de nager, hein. On va essayer de... Je connaissais pas ça. Hop, poudre du sud. Tiens. Okay. On va vraiment récupérer tous les matériaux qu'on peut. Hop. Franchement, ça peut toujours servir. Pas grand chose par ici. Moi j'ai tenté un truc. Je sens que je vais me faire bouffer moi. Vas-y, on se casse. Mais non! Wow. C'est quoi cette bête? Wow, c'est... Les dents de sable, c'est pas gentil, hein. Ça tue mon puma là. Mon puma très rare. Allez, viens mon puma. Ouais, c'est bon, on a trouvé où passer par la rive sans se faire bouffer par des piranhas là. Mais je sens qu'il doit avoir des ennemis là, ouais, c'est ce que je me disais. D'accord, on va aller se faire lui déjà. Allez, tiens, prends ça. T'énerve pas, mon petit. Il ne sert à rien. Il sera bouffé de toute façon. On va avancer sur l'avant-poste. Oh, des tapirs! C'est une connerie. Ils ont pris mon tapir. Mon pauvre tapir. Hop, je récupérerai. Hop, j'ai récupéré ce que je pouvais récupérer. Et là, donc, on arrive à l'avant-poste. Faut vraiment se. On va vraiment tout faire avec Libo. On va faire vraiment sa fufu. Allez hop, mon petit fufu. Ouais, les avant-postes, je connais un petit peu, moi. Vraiment, on va faire ça à l'ancienne. Oh, il y a un brouillard là, enfin un brouillard volumétrique, comme on appelle là, dans les jargons. Donc là, il n'y a aucun ennemi. Ok, donc il y a un sonneur d'alarme. Et des Wanja sauvés. Ok.
Ah, je les avais pas rencontrés là, ça c'est des nouveaux ennemis ça. Les attaques comme les Wanja. Alors pour moi, c'est des ennemis. Avant-poste en 2 secondes. Comment libérer un avant-poste en 2 secondes? Technique Majin Uso. Hop là, on a un avant-poste. Et franchement, ce fut très simple. Sans m'en vanter, bien sûr. Hop. On a fait tout ça silencieusement. On a essayé. Hein. Comme les fouiller, ces enculés. Hop, je prends mon gourdin. Regarde, ils ont toujours des fois des trucs sur l'eau. C'est parfait. Et j'ai vu qu'ils avaient des amis à moi. Ah bah ils se sont déjà échappés, c'est cool ça. It is cool. Ok, donc ça c'est parfait. On va aller voir quand même dans notre cache. Alors notre petite cache, elle est où? Normalement elle est par là. Allez, ici ma petite cache. Cache de récompense. Bah mon sac est plein. Ça on va en prendre. Ça, on va... Donc c'est cool. Ok. Donc l'ardoise, franchement, on peut en avoir pas mal. Les roses aussi. Ça aussi. Ça aussi, on récupère vraiment tout dans la cage des récompenses. C'est un peu notre banque, mais c'est toujours bon de tout récupérer. Hop, nous on va retourner. Alors, où est-ce qu'on va retourner? On va retourner déjà à notre casse-bas. Hein, on va retourner à notre maison, ou quoique non, on a d'autres choses à faire. On va retourner ici et on va partir sur l'avant-poste, mais ce sera dans le 6ème épisode. We'll be right back.